Les utilisateurs francophones de la version Windows de Scrivener sont désavantagés de bien des façons par les raccourcis mal pensés, ceux carrément impossibles à utiliser et à modifier, comme par exemple l'application des styles, n'est-ce pas, et par la traduction assez approximative du logiciel. Surtout, moi ce qui m'ennuie, c'est l'impossibilité d'utiliser un correcteur grammatical et orthographique digne de ce nom, comme les petits liserés rouges nombreux sur cette page l'indiquent. Et par exemple, je voudrais bien pouvoir utiliser Antidote, Cordial ou n'importe quel autre logiciel de correction, et puis utiliser peut-être pouvoir sortir les textes et les récupérer. C'est pas possible tel quel. C'est-à-dire, Scrivener n'est pas configuré pour utiliser des logiciels externes et récupérer les documents après correction, modification, mise en forme, que sais-je. La plupart des écrivains, des auteurs, des journalistes utilisent Antidote, qui est le meilleur logiciel de correction grammaticale et orthographique francophone. Il n'est pas fantastique, hein, il est très bon, mais en anglais, il y a bien mieux. Grammarly, apparemment, il y en a qui sont très très bien, je ne l'ai pas utilisé. Bon, Antidote, aussi limité qu'il soit, n'en est pas moins indispensable si on veut produire un document ne serait-ce que propre du point de vue orthographe et grammaire. Donc on a essayé, moi et bien d'autres, de convaincre Littérature et Lettres d'intégrer la fonction, l'interface avec Antidote. Antidote fournit des DLL et des routines pour pouvoir intégrer facilement ces fonctions dans des logiciels. Mais bon, là, en l'occurrence, on se fait envoyer sur les roses. Ils nous disent oui, c'est à Antidote de le faire, machin. Bon, non, bien sûr que non. Mais tant pis. Je reprends la lecture de mon texte puisque je l'ai écrit spécialement pour pouvoir vous montrer comment utiliser Antidote. Avec Scrivener, et j'ai fait des fautes, hein, vous voyez. Donc, après une énième demande auprès de l'éditeur, un usager m'a indiqué une méthode efficace pour enfin pouvoir corriger mes projets avec Antidote depuis Scrivener sans sortir du processus d'écriture. Oui, alors c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait compiler son bouquin, on a fait un bouquin de 200 pages, 500 pages, tout ce qu'on veut, on peut le compiler et le corriger, on peut le récupérer Office Writer, dans Cordial, dans Antidote, dans ce qu'on veut, et le corriger. Mais on ne peut plus revenir après, si on passe par la compilation. Il y a une autre méthode que je remercie Vincent et Steve Shank, qui sur le forum officiel de Littérature and Late ont proposé cette solution. Cette solution qui est élégante et efficace. C'est pour ça que je fais une vidéo. Donc, l'idée est d'utiliser la fonction de synchronisation pour échanger des documents avec LibreOffice Writer, vous pouvez utiliser n'importe quel autre lecteur de texte, bien sûr, corriger avec Antidote dans Writer et retourner le document corrigé dans Scrivener, le tout simplement. C'est pas complètement automatique, mais c'est pas aussi simple que s'il y avait un bouton Antidote ici, par exemple. Je clique, hop, il corrige. Non, là, il faut quand même faire un aller-retour, mais ça marche infiniment mieux que devoir faire des copier-coller ou devoir faire des... Là, au moins, on récupère le texte à peu près... On récupère propre, nettoyé, comme s'il avait été nettoyé dans Scream. Alors, là, par exemple, hein, j'utilise un texte de préparation de cette vidéo que j'ai laissé passer une foule de fautes et d'erreurs de typographique et tout ça. Le texte étant rédigé, je veux le transférer dans LibreOffice. Pour cela, je fais « Fichier ». Est-ce que les menus s'affichent là à propos? On regardera après. Fichier synchronisé avec dossier externe. Je choisis un dossier. En l'occurrence, j'ai choisi un dossier qui s'appelle blog. Parce que c'est blog. Oui, il est déjà utilisé, je m'en moque. Ah. Et synchroniser le contenu du fichier brouillon. Alors voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il va prendre ce qu'il y a dans le dossier brouillon, pas dans le fichier brouillon, mais le dossier brouillon. Donc mon document, je l'ai mis dedans.
On peut aussi prendre tous les documents du projet. Voilà, j'ai plein de trucs, donc ce n'est pas du tout pratique. Et on peut créer une collection, mais je n'ai pas trouvé ça pratique non plus. Je trouve pas ça. Je préfère utiliser effectivement temporairement brouillon. De toute façon, j'ai l'habitude d'écrire à côté dans des dossiers et ensuite de transférer ce que je veux mettre dans mon bouquin dans brouillon juste avant la compilation. Donc c'est exactement ce que je veux obtenir. On va faire synchroniser. Hop, et il a synchronisé le fichier avec ça. Donc, on va ouvrir le dossier. Allez, les bouquins. Dans 5, blog. Alors, c'est moi qui l'ai défini, hein, c'est moi qui l'ai choisi. Et allez dans Drive. Draft, pardon. Et dans Draft, on va trouver un seul fichier parce qu'il y en a un seul dans Brouillon. Si j'avais mis plusieurs fichiers, il y aurait eu plusieurs documents ici. Et si je double-clique dessus, il va naturellement l'ouvrir dans OpenOffice, en l'occurrence LibreOffice Writer. Il utilise par défaut, je ne sais plus quel correcteur d'ailleurs, Language Tools, donc, qui déjà donne bien mieux que ce qui est intégré à Scrivener. Hein, donc, parce que, par exemple, il y a souligné en vert ce qu'il y a ce qu'il y a comme faute grammaticale ou comme choses qui paraissent un peu bizarres. Logiciel, mais surtout je vais utiliser ce que je peux faire dans Writer, Antidote. Donc je lance Antidote, je vais faire mes corrections, normalement, toc. Alors, je donne, ah, préparation. Non, alors, par exemple, là, il n'a pas trouvé, il est assez nul. Hein. Bon, je n'en fais, hein, bien sûr. Synchroniser avec dossier externe, gna 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 gna. Donc, ça sélectionne l'emplacement. Bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, je compliais, c'était exprès. Hein. J'en ai fait la plupart de ces fautes sont volontaires. Bon, une fois que c'est fait, ça a été corrigé dans la version de LibreOffice Writer. Les fautes ont été corrigées. Je ferme. LibreOffice Writer, il me demande est-ce que je vais enregistrer? Oui. Je retourne dans Screener et je vais faire synchroniser avec dossier externe maintenant. Et lui, automatiquement, il va aller récupérer la nouvelle version, la mettre au bon endroit et sauvegarder l'ancienne version dans Documents mis à jour, dans une collection spécifique qui s'appelle Documents mis à jour, dont je n'ai pas besoin, bien sûr. Donc, je vous prends, je vais les coller. Et maintenant, la version qui est là a été corrigée. Donc, j'ai réussi à utiliser Antidote pour corriger un document et le document est revenu dans Scrivener. Alors, ce n'est pas non plus aussi simple que si je pouvais corriger tous mes documents les uns derrière les autres, comme je pourrais le faire si je faisais une compilation en mode RTF ou en mode doc et que je les réimportais dans l'éditeur de texte, mais c'est quand même autrement plus pratique que ce que je faisais avant. C'était en gros sélectionner, tout sélectionner, contrôle A, contrôle C, prendre, copier dans le truc, hop, et refaire contrôle V ensuite dans l'autre sens, avec toutes les risques d'erreur que ça implique. Donc ça, c'est vraiment une trouvaille pour moi et j'avais envie de la partager avec vous. Bonne journée, merci de votre attention.